à tous et bienvenue dans ce hall Action. Je devais aller à Action avec mes petits assistants because Maria Carré a un anniversaire. Franchement, là-bas, c'est le temple pour trouver des petits trucs sympathiques. Bien évidemment, quand tu vas chez Action, et bah, tu ressors avec un gros sac comme ça, rempli de nouveautés. Tu te demandes d'où vient ce magnifique pull. Il vient de la catégorie Daisy de Shein. Je te laisse le lien en barre d'infos. Ainsi que mes super boucles d'oreilles violettes pailletées que je ne quitte plus. Donc on va commencer par le moins intéressant. Le moins intéressant que je prends tout le temps quand je vais à Action, des boîtes de mouchoirs, ça, la base. J'en ai pour 40 euros en tout. J'ai pris pour mon fils, enfin c'est mon fils qui s'est pris, tu sais, c'est les chewing-gums qu'on avait, nous, à l'époque, un peu grands, dans les années 90. Chaque fois que je sortais de l'école, j'allais au bureau de tabac et je me prenais un truc comme ça de chewing-gum. Tu sais, c'est le chewing-gum en tortillé, comme ça, dans une petite boîte. Donc là, c'est fraises, fraises mûres, multiples fruits, pommes et encore fraises. Voilà. Ça coûtait que dalle. Les pâtes à slime, tu sais, il n'y avait plus la grosse balle là, que j'avais trouvée à Action. Ça, c'était un bonheur total. Vraiment archi pas cher, 1 euro et quelques. Et à l'intérieur, il y avait cette texture dedans. Et mes enfants aimait bien malaxer la balle et tout, mais au bout d'un moment, elle s'est ouverte. Ils ont récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire ça, et ils se sont éclatés avec. Donc là, pour 79 centimes, il y avait des petits pots comme ça. J'ai pris... Ah oui, alors ça, j'avais acheté le rose, sel de je sais plus quoi, là. Génial, le sel rose. Tu vois, il y en a là-dedans. Et là, en fait, c'est un mélange assaisonnement poivre. Mélange de poivre avec sel. Bon, c'est les poivres, tu vois. Au lieu de mettre du sel et du poivre, eh ben, tu mets les deux. C'est parfait. Donc, tu enlèves le capuchon et c'est un moulin, tu vois. Tu fais comme ça. Le seul truc qui est chiant, et c'est revenu aussi sous ma dernière vidéo, et je suis d'accord avec vous, c'est que ce n'est pas rechargeable. Très dommage. Je vais me chercher des noix du Brésil parce que ma coiffeuse m'a dit qu'a raison. Alors attention les noix du Brésil, surtout, surtout pas plus de 5 noix par jour parce qu'après ça peut être toxique, je crois, pour les reins ou enfin bon bref, pas beaucoup de noix. Mais elle m'a dit genre t'en manges 2 par jour et ça active la pousse des cheveux. Et je vous dévoile pas trop mon projet, mais j'ai besoin que mes cheveux poussent. Voilà. Mais en tout cas, les noix du Brésil, sachez-le, si vous voulez faire pousser vos cheveux, et ben 2 par jour. Voilà. J'en ai trouvé après à Lidl. Les 250 grammes, c'était 4,95€, je crois. Donc à ce prix-là, vous les prenez bio à la vie claire et vous avez 500 grammes. Il me semble. J'ai repris des lunettes de piscine pour Maria Carré, because ce sont les vacances scolaires et je compte bien faire nager mes petits assistants avec moi parce que la piscine c'est la vida les gars. Franchement là en ce moment mon corps est en vracos, j'ai l'impression tu vois d'être comme ça, comme une pierre tu vois, tout est dur, tout est fermé. Je me suis fait super mal au bras. J'ai pris rendez-vous chez mon ostéo pour lundi prochain. Mais en attendant, voilà, piscine, de la marche, du stretching. Je vous ai mis les liens de ma meilleure vidéo de stretching sur mon Instagram. Si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Franchement, c'est un truc de fou. Ça fait tellement du bien au corps. Mais la piscine en number one, vraiment. Donc, petite lunette pour Maria Carré. C'était 1,79€, je crois. J'ai pris des cahiers comme ça parce que pendant les vacances, je fais faire des... j'essaie de faire des séances de perfectionnement d'écriture pour Maria Carré. Et elle avait que des cahiers avec des, tu sais, des lignes. Ça, pour apprendre l'écriture, bah, c'est pas top. Donc, j'ai pris ces 3 cahiers-là qui coûtaient 79 centimes. La couverture, elle est plastifiée et c'est les vraies lignes des cahiers, quoi. Ouais, pour les séances d'exercice d'écriture. Je me suis repris du miel. Franchement, c'était combien? Je crois que c'était même pas 2 euros. Quand tu vois que le miel, maintenant, c'est à 4, voire 4,50 euros, les petits trucs comme ça, franchement, je suis refaite. Alors moi, le miel, je le prends pour me faire ma tarte chèvre-miel, tout simplement. Pâte feuilletée, crème fraîche, ciboulette, des rondelles de chèvre
et un gros tourbillon de miel par-dessus, au four 20 minutes, et franchement c'est une dinguerie les gars. Personnellement c'est ma phobie, je suis insectophobe, mais je ne leur fais pas de mal parce que sans abeilles, c'est un peu dans la caca. Ben voilà, tu vois j'en ai pris une pétée. Putain mais ça c'est un truc de fou. Alors ça c'est tout moi tu vois. Je prends exprès celle qui est au fond du rayon parce que je me dis vas-y les gens ils les ont touchés, flemme, ça me dégoûte. Et en fait ben, je prends toujours... Ça m'arrive souvent ça tu vois, je prends ceux qui sont au fond et en fait ils sont pétés ou ils sont défectueux. Bon ça va tu vois le fond il est... Il est encore hermétique mais bon fait chier quoi. Une grande bouteille comme ça en verre recyclé, 2,49€. 2,49€. Franchement, il y avait des dames Jeanne et tout. Vraiment, ça valait trop le coup. Donc, tu vois, c'est un peu. Il y a un peu plein de défauts. Peut-être qu'elle a été faite en défaut comme ça. Je sais pas. Mais franchement, 2,49€. Je suis trop contente. J'ai une fausse plante. Ça, c'est une vraie. Hein. Mais j'ai une fausse Monstera. Attends, je te montre. Oh putain, mon corps. Oh. J'ai une fausse Monstera comme ça dans une chope de bière. J'en ai mis sur mon Vinted des chopes de bière comme ça si ça vous intéresse. Au cas où, j'en ai plein. J'adore ça. Et à l'intérieur, j'ai ma fausse Monstera. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Tu vois. J'aime beaucoup. Franchement, des trucs en verre comme ça, là, en verre recyclé, il y en avait plein. Et j'ai été choquée par le prix. Je me suis aussi pris du coup, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire plein de petites boutures. Et notamment, j'ai vu une vidéo YouTube. Alors, je sais pas du tout si ça va marcher. Dans la vidéo, ça marchait. La nana, elle avait pris juste une feuille de pilea qui était tombée. Et elle l'a mis dans l'eau. Et en fait, ça a fait plein de petites boutures qu'après, elle a pu mettre en terre. Donc je me dis là, pour ma petite feuille de pilea, en attendant qu'elle germe, ça pourrait être pas mal. Mais en même temps, si elle germe, parce que là c'est tout petit, hein, si elle germe, j'arriverai pas à la sortir. Mais je l'ai trouvé canon. On dirait la bouteille de rhum de la Libellule dans Bernard et Bianca. Si t'as la ref. Et ça, c'était 79 centimes. Franchement. Pris ensuite, alors ça c'est mes petits assistants qui sont dingues de papeterie, de trucs comme ça. Ils sont pris donc des marqueurs aquarelles, encre à base d'eau. Mes enfants, ils en ont mis plein à chaque fois que j'y vais. Franchement, j'en prends parce que c'est 1 euro. Là, c'était 1,49€ les 6. Donc, il y avait plein de couleurs. Eux, je ne sais pas s'ils ont pris les mêmes couleurs les deux. Mais tu vois, si tu es fan de papeterie et tout, je trouve que ça, dans un petit pot et tout, c'est super joli. Donc tu as un embout comme ça, pointe, tu vois, souple. Et un embout feutre comme ça. C'était ceux de Maria Carré. Oui, mon fils s'est pris ces teintes-là. Donc voilà, génial. 1,49€. Je pense que vous connaissez les bons coins de papeterie à Action, franchement. La papeterie, tout ce qui est paillettes, gommettes... pour le scrap en fait, ça vaut trop le coup, notamment ces carnets là. Franchement, le papier est hyper épais, ça fait vraiment feuille canson, tu vois. Là, c'est détachable ici. Le format il est génial. Et ça, c'était, il me semble que celui-ci il était à 2€ et quelques. Grosse spirale, t'as deux couvertures et deux types de papier. Ah ouais, j'avais pas vu, tu vois, il y a deux papiers. Là, c'est plus blanc. C'est plus du papier, on dirait des feuilles, mais hyper épaisses, vraiment cartonnées. Et ici, tu as du papier plus jaune, plus genre canson, plus granuleux. Et tu as une couverture pour chaque côté. Bien évidemment, pour mes envois Vinted, du scotch. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui achètent sur mon Vinted, mais merci, hein. Sachez que tout ce que je vends est envoyé avec grand amour. Ça, c'est pareil. Hein. J'ai acheté à Auchan du scotch. Donc, celui-ci, il était à 1€ et quelques, je crois. Ruban d'emballage, c'est ça? Ouais. Eh bien, 78 centimes, c'est ça? Je suis con, moi, j'aurais dû en prendre plus. 78 centimes, t'as tout ça. J'ai acheté la dernière fois à Auchan parce que j'étais en rade. Un rouleau, franchement, il n'y avait même pas la moitié. 3,50€.
D'autant à Action, vraiment, je vous ai dit, il y avait des daubes. Hein. Il faut d'ailleurs que je vous fasse la vidéo des daubes, ce que j'avais trouvé à Action. Mais il y a des trucs, ça vaut trop le coup, quoi. Va genre à 2C, 3 Cultura, trouver des trucs comme ça à 2 € et 79 centimes, ou 1,40 €, je sais plus. Mais ça, c'est introuvable dans les papeteries normales, à ce prix-là. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Et ça, c'est pareil. Tu vois, enfin, le poivre, tu vois. Il y a trop des trucs qui valent le coup. Ensuite, alors ça, j'avais regardé une vidéo de d'Elsa Makeup. Elle avait fait un haul Action aussi et elle avait dit que ses couteaux étaient géniaux. Je suis passée plein de fois devant et franchement, au vu du prix, je me suis dit, c'est impossible que ça soit génial. Celui-ci, il a 99 centimes. C'est un couteau, tu sais, en céramique. Et elle disait qu'il était ouf. En plus, la céramique, c'est bien parce que c'est... ça se crève pas, quoi. Il y a même un cache-couteau et il y a les plus grands pour 1 € et quelques. Donc voilà, j'en ai pris un pour tester, mais bon, j'ai vu l'efficacité. Et je pense que je vais en reprendre d'autres. Il y avait même des 7 pour 3 €, t'as plusieurs couteaux. Donc voilà. Mon petit assistant pour l'école, des petites souris de Blanco comme ça. Voilà. À Auchan, ça coûte une blinde. Franchement, moi je vous jure, je pense que c'est ça aussi qui me bloque le corps complet. Je suis en angoisse totale. Du coût de la vie qui augmente, tout augmente, mais vraiment genre c'est des augmentations très significatives, quoi. Moi franchement avant mes courses, ben maintenant pour le même prix, quand je vais faire les courses, pour le même prix je tiens une semaine, alors qu'avant je faisais mes courses pour 2 semaines. Prends ta bagnole, allez vas-y, 20 balles d'essence, t'as fait 4 mètres. C'est les salaires dans tout ça, c'est il y a moyen que non, ça on se mette un peu au diapason, parce que même pas 1 €, ça c'est 4 balles à Auchan. Franchement. Puis alors, comme par hasard, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les rayons, eh ben, toutes les marques, tu vois, les marques Carrefour, marques Auchan, les marques de distributeurs, ah ben, il n'y en a plus dans les rayons. Il n'y a plus que les MAPED, les trucs, tu vois, haute qualité. Il n'y a plus de marques du revendeur. Enfin, non, moi, ça me saoule. J'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des dindes. Donc, ça m'oppresse. Mon fils s'est pris des balles rebondissantes. Non, mais regarde-moi la beauté des balles rebondissantes. Paillettes, celle-ci, il y a des petits pompons dedans. Celle-ci, ça me rappelle trop celle qu'on avait dans les machines, là, où tu mettais 20 centimes et puis t'avais une balle rebondissante. Je les adore. Celle-ci, je vais lui voler direct. Je me suis repris de la super glue parce que moi, franchement, en ce moment, laisse tomber. Je ne sais pas hein, ce qui se passe, mais chez moi, tout se pète. Je dois tout changer. Je le fais au fur et à mesure parce que franchement, voilà. Mais voilà, tout se casse. Donc, super glue. Pour l'instant, j'ai rien à super gluer, mais j'ai pris quand même en prévision. Bien évidemment des bons becs, sinon c'est pas un haul Action, on est d'accord. Ici, la base, des coca acidulés. Des feutres d'ardoise pour Maria Carré, qui franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ses stylos, mais je lui achète genre ça là, et 2 semaines après, elle me dit « j'ai besoin de stylos ». Franchement, que dalle, alors qu'en grande surface, ça coûte la blinde. Mon petit assistant s'est pris son truc là, l'intérieur de la grosse balle là. Mais en vert, je vais y aller et bien évidemment je vous montrerai. Parce que j'ai 2-3 petites. En fait, tu vois, je voudrais me trouver un petit banc en bois là pour mettre ici sous ma fenêtre et mettre toutes mes boutures là. J'ai un. Voilà. Je voudrais me trouver ça, encore une fois des bols bretons. Enfin, tu vois, tous les petits trucs que j'ai en tête. Je vous montrerai tout ça si je trouve des pépites. Pour la copine de Maria Carré pour son anniversaire, donc c'est des petites qui ont 6 ans, on lui a pris 2 petits trucs, donc Glow in the Dark, donc ça scintille dans la nuit. T'as 2 petits récipients comme ça, un en diamant, un en licorne, et t'as du sable, t'as des sachets de sable comme ça. Et tu peux faire tes petites créations comme ça, et ça brille dans la nuit, voilà. Et Maria Carré lui a trouvé ça, un set de make-up. Avec 4 glosses, 2 vernis et une petite palette de gloss. Elles sont dedans, hein, voilà quoi. Personnellement, moi je cache mes pinceaux et mes palettes. La dernière fois, j'ai laissé Maria Carré se maquiller, parce qu'elle avait envie de se maquiller. Et j'arrive un quart d'heure après, elle s'était maquillée en fraise avec un de mes gloss Clarins Waterproof. Voilà,
Elle s'était fait toute la face. Elle est venue vers moi, elle m'a dit « Je suis une fraise !» Génialissime. Heureusement que je me démaquille à l'huile et que c'est un peu parti, mais c'est pas parti tout de suite, tu vois. Donc voilà, un petit set de make-up comme ça, c'est tout mignon. Franchement, ils sont trop beaux les gloss en plus. Hyper pailleté, j'aime bien. Je verrais bien Ayo Coralie faire une petite vidéo avec ce genre de truc, tu vois. Plein de paillettes, enfin bon, bref, j'adore. Et pour mettre ces petits cadeaux là, au départ, je voulais partir sur du papier cadeau, parce que le papier cadeau là-bas est canon pour, pareil, 70 centimes, je crois. Mais Maria Carré a vu cette pochette Love avec plein de paillettes. Et là, tu as la ficelle avec le petit cœur pour mettre son nom. Voilà, ça fait toujours plaisir quand tu arrives à l'anniversaire. Voilà, pour mettre les petits cadeaux dedans. Et à l'intérieur, c'est violet. Et ça, c'est pareil, ça coûtait franchement bah, moins d'un euro. Va au champ prendre les pochettes cadeaux. Surtout cette taille. Franchement, non, mais enfin, voilà quoi. Mais même les art discounters, hein, franchement, il faut juste que je teste Reese. Je sais pas si vous connaissez. Moi, on m'en a parlé, j'y suis jamais allée. Je sais que j'en ai un dans ma vie, donc je vais essayer d'aller voir. Mais franchement, même Lidl et tout, enfin... Pour moi, Auchan, Carrefour, Lidl, Intermarché, maintenant c'est tous les mêmes prix. Ils sont tous alignés. Franchement, c'est une cata, moi. Vraiment, je vous jure, ça m'angoisse. Donc voilà, je vais tester Reese. Mais pour le moment, tu vois, pour les petits cadeaux et tout, bah, Action, je trouve que c'est génial. C'est super joli, ça, je suis sûre que ça plaira à une petite fille. Et puis bah, ça plaît à tout le monde. Tu vois, ça là. Genre, je suis allée à Babou. Vous connaissez Babou? Enfin, anciennement Babou, maintenant c'est BM. Je suis allée à Babou et je me cherchais une Dame Jeanne comme ça, de cette taille. Laisse tomber, 30 euros. Babou! Avant, à Babou, tu vois, on y allait, je me rappelle, avec ma soeur, on y allait. On se trouvait des petites fringues, des chemises, des sacs. Ça coûtait que dalle! Mais maintenant, laisse tomber, quoi. C'est toute la marque Atmosfera, je crois, leur déco. C'est super cher! Donc bon, moi, Action, je retrouve grave, tu vois, je retombe sur mes pattes, j'ai trouvé l'expression. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une petite vidéo bric-à-brac, pourquoi pas. Ah oui, il faut que je fasse la FAQ aussi. Mmh.